la Halle de l'Étoile depuis 2 ans et demi. À la Halle de l'Étoile, nous faisons un travail sur le spectacle vivant, sur les arts visuels, et nous avons aussi une activité bibliothèque-médiathèque importante. J'ai rencontré la compagnie Moulao il y a 1 an et demi maintenant, une toute jeune compagnie, mais formée par des ex de compagnies plus anciennes, qui présentaient exactement les caractéristiques que je recherchais pour un compagnonnage plus affirmé, c'est-à-dire une compagnie qui fonctionne comme un collectif, qui partage une envie, qui partage une passion et, je dirais, un besoin de théâtre. Je réponds au nom de Célestin Kasongo. Je me nomme Gustave Musangana Muswabantu. Moi, c'est Michel Luembe. Moi, c'est Trésor Malaya. Oh, je m'appelle Anoumumba Ilunga. Odette Ndeji. Mon nom, c'est Liovin Mumbwela Musenga. Je réponds au nom de Fabien Honoré Kabeya Mukamba. Je suis le président ou le directeur artistique de la compagnie Moulao Théâtre. Et Moulao signifie promesse. Ça signifie promesse, ou ça a un double sens, promesse ou message à annoncer aux autres. C'est Julien Kilanga qui m'a appelé pour me présenter Pénélope de Chauffour. En me disant, elle a un projet qui me semble intéressant pour le Boombash. Effectivement, le projet m'a semblé passionnant, donc nous avons décidé de le construire ensemble. Elle, bien sûr, sur l'aspect dramaturgique, et moi, en chef d'orchestre du plateau et de la réalisation de la fabrication louchoise. Qui a motivé la naissance de ce projet, c'est que donc cette pièce, Io, moi c'est une pièce qui m'a, à la lecture, qui m'a beaucoup touchée. C'est un des premiers textes de Cossier Fouy que j'ai lu. Et c'est vraiment ce texte-là qui m'a donné envie de consacrer mes études universitaires à son travail. Il me semblait intéressant de le faire, c'est pas spécialement de le faire en Afrique, parce que même si c'est vrai qu'il y a, le parallèle qui est fait entre l'histoire mythologique de Io et l'histoire du continent africain, qui est un des pans très importants de la pièce, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de le faire à Lubumbashi. Ça, pour des raisons personnelles, c'est parce que moi j'ai grandi ici, j'étais ici jusqu'à mes 15 ans. Io, c'est un personnage mineur dans le Prométhée enchaîné de Eschyle. Donc c'est un personnage mineur. Son histoire, c'est qu'elle a été violée par Zeus et ensuite frappée d'une malédiction qui est de se pas balader, parce que c'était certainement pas une balade, c'était une errance à la surface de la terre. C'était certaines malédictions. Et il faut dire que cette fille était enceinte des œuvres de Zeus. Et il faut dire aussi qu'elle était, que si l'errance ne suffisait pas, il y avait un temps, cet insecte-là, qui était chargé de la piquer de temps en temps, de façon aléatoire, à sa guise. Donc Cossier Fouy reprend le mythe d'Io en le transposant dans l'Afrique contemporaine. En nous racontant en fait l'histoire d'une troupe de théâtre, la Grande Royale, qui est à l'heure du récit composée de 4 membres, les 4 membres restants, qui vont en ouverture tenter de représenter le Prométhée enchaîné d'Eschyle, mais c'est une représentation impossible qui aboutit en fait sur le récit de leur histoire personnelle et donc de l'histoire du pays où ils vivent. Et qui nous amène à comprendre pourquoi est-ce qu'il se retrouve aujourd'hui vendeur sur un marché trottoir. Dans Io, j'interprète le rôle du fils de la mère. Du fils de la mère qui est à la fois conteur de l'histoire d'Io et participant à l'histoire. Alors, à côté du fils de la mère, il y a la figure d'Anna, donc, qui représente Io. Une femme violée qui représente un peu toutes les femmes violées et toutes les mères d'enfants issus d'un viol, les petites mères comme on les appelle dans la pièce. Il y a également Mastablasta qui est en fait un avatar de Prométhée, figure aussi
donc dans la mythologie que Io rencontre et qui va connaître son avenir de la bouche de Prométhée, et Uchikuchiman, qui lui est un avatar de Héphaïstos, celui qui cloue Prométhée à son rocher. Et qui est aussi donc un vendeur qui tient, lui, la distillerie sur le marché trottoir. Celle-là, celle-là, les parloirs de la rumeur. On sait ce que c'est, la convulsion des voix sévères. Une clochette de lépreux comme sa pépille, quand sa pépille la rumeur. Celle-là, celle-là, le malheur de la race, créature. On dit qu'elle a une attitude, la fière. On sait comment, par ces temps, l'élégance attire l'outrage. En ces temps-là, le puissant du jour se disait l'éternel. Le héros d'un jour se disait l'unique, et son pseudonyme était Dieu. Et sous ce pseudonyme, Zeus l'Olympien, de son vrai nom signé des oracles, un genre littéraire que certains appellent prophétie, écriture automatique de Dieu. Et dans ces écritures, il est écrit « L'honneur du héros, c'est d'outrager la fière. » Celle-là, Io, celle qu'on avait surnommée la rebelle à Dieu. Celle-là, celle-là, c'est la fille que Zeus outragea. Ouais, en fait, c'est comme si on la culpabilise. En fait. Donc, oui. Elle, c'était sa faute si elle s'était c'était fait violer. Elle a été donc, trop c'est belle. C'est comme un peu comme, voilà, comme on dit, je sais pas si ici c'est comme ça, mais en France, souvent quand une fille se fait violer, si c'est une fille qui a l'habitude de s'habiller un peu sexy, qui met des mini-jupes, mm-hmm. bah on va dire, ah bah oui, elle s'est fait violer, mais elle l'a bien cherchée, en même temps, elle se promène en mini-jupe. Oui, oui. Comme s'il y avait quelque chose mm-hmm. qui pouvait justifier qu'on viole quelqu'un. Par rapport à la personne elle-même, elle ne veut pas se faire violer. Mais l'accoutrement peut susciter les intentions du violeur. Certes, mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'un accoutrement peut susciter des désirs chez quelqu'un, est-ce que c'est pour autant, voire des désirs sexuels, est-ce que c'est pour autant que tu dois passer à l'acte? Tu ne peux pas justifier le comportement des violeurs. Non, il ne justifie pas. Il ne justifie pas. Mais il dit qu'il y a des accoutrements qui peuvent pousser au violeur de poser cet acte. C'est la réponse de tous les non. hommes. À Kinshasa, il y a des modes sexy qu'on appelle Yakokota. Signifie viens pénétrer, viens. Vous voyez, ça approche déjà. Ça, c'est que vous ne comprenez pas, c'est la fille qui déclenche. Une femme habillée en sexy, elle passe en cours de route. Mais vous ne voyez pas ce que c'est ce qu'elle suscite à l'homme. Ça, si tu arrives à violer, c'est-à-dire tu as ça dans ta tête. C'est l'esprit, oui. Tout vient de la tête, tout vient de l'esprit. Donc c'est quelque chose que tu as déjà dans ta tête. Après non, il y a des enfants qui sont violés ici. Un bébé de 2 ans. Oui, c'est que j'ai dit, tout vient de là, c'est l'esprit. Ça c'est l'esprit. J'ai voulu que vous ne puissiez pas parler, vous, femme, à notre place. Il y a des situations que nous vivons et des contraintes aussi sociaux qui font en sorte que vous nous traitez, nous, des non-violeurs. Mais nous ne sommes pas très différents de ceux-là qui violent. C'est-à-dire, il nous arrive aussi, et c'est tout le monde se dit, mais cette fille, qu'est-ce qu'elle a cherché? Quand vous voyez une de ces femmes sexy, vous qui êtes ici, est-ce que vous avez déjà violé l'une de ces femmes-là? Non, non, on n'a pas déjà. Non. Et puis pour arriver à quoi? Même vous voyez, quand on lit cette didascalie-là, il y a vraiment de ça. Il y a quelque chose de l'ordre du geste qui revient et qui produit une musique. Et donc ça va tous les bruits que vous faites là et les gestes et tout, ça revient. Ça revient perpétuellement tout le long de la pièce. My love, no more, my love, Lord, I'll never turn back.
se sent même dans ce que transmet la voix, même si on ne comprend pas là, les paroles, on sent même dans le rythme qu'on n'a pas besoin même de la compréhension des paroles pour ressentir quelque chose. Et je pense que voilà, il y a un message, hier vous parliez de message, comment on transmet un message, et vous aviez peur que le public ne reçoive pas de message parce qu'il ne comprend pas l'histoire ou il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je pense que là, donc, je ne sais pas si vous parlez vous anglais. Vous entendiez ou pas, il y a que ça. Il y a quelque chose qui passe. Voilà, avec Masta Blasta, c'est important, et sur cette réplique-là, c'est important. Et l'esprit du blues et le geste du blues qui est à l'origine de ce geste-là, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit tout le long de votre travail, enfin de notre travail. Sometimes I'm plotty, old gray man, then I'm plotty, cootie. When I make my 50 cents, Lord, I carry it home to Rosie. Come on, here, old mule. Ooh, Lordy, Lord. Didola, didola. Eh oui, 7 000 francs. Au lieu de 9 000, ça va, ok. Uchikuchi mène, c'est négocié, comme toujours. Mais c'est joli. Uchikuchi mène, Aksanti. Aksanti, ça. Pour dire merci beaucoup, ça va. Allons travailler. On y va, on va travailler. Qu'est-ce que tu as fait, Odette? Je suis allée chercher de l'eau pour nous. De l'eau à boire. 45 minutes de retard, on va bientôt commencer. Tout va bien. Merci Malaya d'arriver avec une heure de retard. Où t'es parti, Gustave? Est-ce que quelqu'un peut commander cette action? Non. Ça fait une heure qu'on aurait dû commencer le travail. Ouais. On n'a toujours pas vraiment commencé. On attendait Trésor qui est arrivé avec une heure de retard. Au moment où Trésor entre, Gustave sort. D'accord. Les lieux de la scène s'appellent le pays. Un décor. On connaît les règles du jeu. Un décor avec un écriteau hôpital. Et c'est une débrouille de cache d'armes provisoire. Un engin de locomotion avec un écriteau taxi, et c'est une débrouille macoute. Un décor avec un écriteau marqué police, et c'est une débrouille de pègre agricole dans le maquis. Un mur avec un écriteau église du verbe incarné, et c'est une débrouille dans le recel, outils de torture, clous, chaînes, câbles et pics. Théâtre, on va faire une façade, puis on va écrire église dessus. Ça s'appelle un décor au théâtre. Mais on sait, tout le monde sait que c'est pas une vraie église, puisque c'est un décor. Donc là, vu qu'il dit les lieux de la scène s'appellent le pays, un décor, c'est pour montrer que c'est faux justement, et que tout ce qu'on met en place dans le pays, même si c'est de vrais bâtiments, donc de vraies infrastructures. Pas toujours. C'est autre chose qui se passe à l'intérieur. Donc. Ça se fait même ici chez nous. Il y a des bureaux de l'État qu'on connaît être vraiment... Ce sont des vrais bureaux plutôt de l'État. Et lorsque, vous, par exemple, vous perdez une carte, vous avez besoin de faire une autre carte, vous allez là-bas. Au lieu d'entrer dans le bureau réel, vous allez trouver un monsieur. Monsieur, je voudrais que vous m'indiquiez là où il faut faire la carte. C'est quelle carte? J'ai ici. Dans un coin, il te fait des trucs et c'est une vraie carte qu'il te donne. Tu t'en vas et c'est lui qui bouffe l'argent. Au lieu que l'argent entre dans la caisse, au lieu que ça entre, c'est lui qui bouffe l'argent. Et moi j'avais quelque chose à ajouter, Justin. Ok. En commençant par l'hôpital, là, pour moi aussi, ça avait le même sens. Vous voyez, pendant la guerre, je crois que c'était au Kivu, là. Je crois que c'était au Kivu.
ici chez nous, une des provinces où il y a eu vraiment la guerre pendant les La guerre est encore permanente. Elle est encore permanente là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore la guerre. Oui, il y a encore la guerre, oui, à faible dose. Oui, on a utilisé les signes de Médecins sans frontières, on utilise les signes de Médecins sans frontières, Médecins du monde, pour transporter les armes, ou même pour transporter l'ennemi. C'est ça qui est intéressant, c'est que, en tant que personnage, vous allez dire, les lieux de la scène s'appellent le pays, un décor, on connaît les règles du jeu, donc vous dites au public, on est au théâtre, et en même temps, vous ne parlez pas d'un jeu, puisque vous nous parlez de la réalité. Là, vous allez parler de la réalité, puisqu'ici, ça se passe comme ça. On n'entend pas toutes les voix en même temps dans la même histoire. À un commencement, nous avions les terres et d'autres avaient le livre. Ceux qui avaient le livre dirent « Dans le livre, il est écrit, mes frères. Mes frères, fermons les yeux et prions, in seculae seculorum. » Et on les ferma et on pria et on les ouvrit. Et quand on les ouvrit, ceux qui avaient le livre avaient les terres et ceux qui avaient les terres avaient le livre. Et si cette terre valait bien un psaume, le sous-sol valut bientôt des tomes qui arrivèrent en latin, en ancien français, en américain, en portugais du Brésil, en espagnol des États-Unis et d'autres en arabe classique, en grec, en russe, en chinois, en coréen, qui disaient « Mes frères, fixons l'avenir ». Et on a fixé l'avenir jusqu'au trou du bilan. Et ceux qui avaient le livre avaient entubé nos morts jusqu'au manganèse. Et nous, Dieu soit loué, il nous restait le livre. Si nous prenons nos églises ici, par moment, ils utilisent. Vous pouvez venir avec l'argent comme ça, on ne vous demandera pas là où vous avez eu. Que vous soyez un agent de l'État qui a détourné toute une caisse ou qui a fait je ne sais quoi, quelle magouille, vous amenez l'argent, donnez seulement à l'église, donnez. Donc, donnez la dîme, donnez l'offrande, donnez. Oui, parce que c'est ça aussi, tu peux nous expliquer. Oui. Nous, on a entendu dire qu'ici, la majorité de la population va à l'église. Oui. Et la majorité de la population doit payer la dîme à l'église, ça représente 10%, oui, 10%. Mensuel, oui. Du salaire. Oui. Vous n'avez pas de quoi manger, les salaires sont tout petits, vous ne savez pas comment vivre, et vous tenez encore la débrouille. Prenons un autre exemple. Dernièrement, il y a un ami avec qui j'ai étudié, il est venu chez moi il y a une semaine, je crois. C'est pas vraiment... Il y a une semaine. Il est venu me dire, il y a son cousin qui a... Tellement qu'il a souffert, il n'y a pas de vie, il n'a pas une meilleure vie. Il travaille pour 1000 francs. Donc, s'il trouve l'argent, c'est 1000 francs, 1500 francs. Donc, il mange demain, il sort pour aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Comme j'ai pris beaucoup, je peux former une église. Il a formé une église, il a commencé à prophétiser aux gens. Il leur convient de donner la dîme. Les gens donnent, ils donnent. Jusqu'au point où il commence à violer les femmes qui sont dans l'église. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ma soeur, je vois que toi tu as des problèmes, avec ton mari, ceci, cela. Viens, je vais prier pour toi. Et la femme qui vient. Tu es mariée, tu sors avec le mari de ta sœur, tu as un esprit. Depuis que tu as fait coucher avec le mari de ta sœur, il y a un esprit qui te poursuit. Il faut que j'enlève ça. Un esprit de prostitution. Tu as une cicatrice entre tes cuisses là-bas, tout près de ton sexe là, tu as une cicatrice. Et ici, ton beau-frère, quand tu avais couché avec lui, qui t'avait blessé, voilà, c'est là que les esprits, c'est par là que les esprits entrent. Il faut que je touche là pour que le Seigneur puisse te délivrer. Il a touché. Quand il touche comme ça, la femme, ils ont couché ensemble et maintenant ils ont des enfants avec la femme. When I make my 50 cents, Lord, I carry it home to Rosie. Ooh, Lordy, Lord. I better stole my old coon dog, boy, the whiskey.
un attaquant. Donc il faut qu'il y ait un peu de vitesse. Et surtout, ce qu'il faut, tu lui coupes la parole quand il arrive, ses enfants de là. Dès qu'il dit de là, tu dis c'est ce qu'on dit, mademoiselle de la mission. Fils de la mère, c'est l'appellation selon l'usage. Fils de la mère, fille de la mère, fils de la mère. Et là, je coupe de nouveau. Alors, reprenons. Une maison, un animal, ses enfants de la mère. C'est ce qu'on dit, mademoiselle de la mission. Fils de la mère, c'est l'appellation selon l'usage. Fils de la mère, fille de la mère, fils de fille de la mère. Ces enfants-là ne dessinent pas de maison. La donation, l'embarras, vous descendez des voitures. Quand Gustave termine ça, avant ah, même qu'il ne termine ça, on a tout. Moi, je suis comme ça déjà. Tu reprends de toi, c'est ici qu'on vient. Oui, oui. 26. C'est quoi cette chanson en fait? Ça veut dire. Disons, la femme. Et ça signifie ceci. Il y a dans nos tribus ici, on fait les tatouages aux femmes pour les rendre belles. Alors, on peut dire, en parallélisme avec notre pièce, que Iyo n'a pas été tatoué. Et ici, on l'appelle Kibale Samba, c'est le nom de quelqu'un. Mais maintenant, on va la tatouer pour qu'elle soit belle. C'est ça la signification. Alors, ce sont les tatouages. Oui. Non, mais c'est, moi, j'ai trouvé ça bien, mais bon, c'est Fabien qui décidera de ça au final. Après, tout le reste, bien, mais j'ai trouvé quand même moins bien que ce matin. Ce matin, je vous trouvais plus en forme. Et là, je trouvais que du coup, petit à petit, on tombait un peu dans la lecture. Hein. Vous étiez là vers la fin, vous étiez beaucoup trop dans la lecture. Donc je pense que ça, de toute façon, la seule solution, c'est que là, vous appreniez bien votre texte. Quoi. He run down big on the fence, born a little on through the crack. Oh Lordy Lord, well. All right, the old flat top, we gotta make some corn this year, boy. I've been rolling. Et d'après le crack et chim, une adaptation spectaculaire aurait de ses décorations à vue augmentée de plusieurs métamorphoses qui n'ont jamais paru en public et qui ne paraîtront probablement pas avant longtemps. Il y a longtemps. Suivez. Ça fait 1h13. Ah, non, je m'en ai pris. Donc ça montre qu'il n'y a pas eu suffisamment de concentration. Parce qu'on a fait le même exercice l'autre fois, là où vous n'aviez même pas pris de texte, on était arrivé à 45 minutes. Oui. Les difficultés, c'est qu'on ne sait pas vraiment respecter les horaires, on arrive toujours en retard, et puis les conditions des salles, le programme de la salle, on nous met un peu dans des situations un peu difficiles. Voilà pourquoi un peu même, si tu as remarqué ce matin, la concentration était un peu difficile pour les deux comédiens et ils nous ont tous un peu déconcentrés. J'espère qu'on va surmonter toutes ces difficultés et on fera quelque chose de bien. Bye.
permis de la générale. Ici, ce sont les acteurs de la compagnie qui étaient partis, à la guerre. Donc, ils étaient pris dans des milices pour aller à la guerre. Alors, il y a Pocrate, il y a Géanos, il y a Hermès, il y a les autres là. Maintenant, lorsque je vais commencer à présenter, les autres là qui ne sont pas là seront représentés par ces masques. C'est ce qui justifie la présence de ces masques ici. Le masque couché, les pieds arpentant son dos. Ça c'est les massages chinois. Comme ça. À plat ventre ou à plat ventre. Là, la toile. Autant nous comme pas. Oui. Et tac, 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 tac. Donc, on a avec les yeux, les pieds. Oui. Là, je suis obligée de faire comme ça, mais. Ça tout. Fait. Yes. Mais, comme on aurait dit c'est précoce, comme on aurait dit surdoué. Donc, on dit précoce, comme on dit surdoué. Well, I was thinking about the good time, Lord, I want to have it. Donc on est à 2 semaines de la première, et même de la générale, donc qui a lieu la veille de la première. On vient de remplacer un des comédiens, donc le Uchikuchiman qui était joué par Gustave, va maintenant être interprété par Liévin, qui est beaucoup plus disponible et qui peut donc remplir le contrat. Je ne pouvais pas être à même de continuer à ce rythme-là de travail, puisqu'on a changé le programme d'horaire. Et vu que j'ai trouvé un emploi, j'ai changé d'employeur. Et vous savez, là où j'étais presque. Je n'avais même presque pas de salaire. C'était des primes qu'on me donnait. Et maintenant, je suis allé quelque part où on m'a proposé un salaire qui pouvait me permettre de vivre. Jouons des coudes selon le rôle d'apparition. Selon le rôle d'apparition. Vous voyez le décalage de l'assistant metteur en scène que j'étais, directement de le trouver sur scène. L'effort à fournir, c'est de corriger d'abord ce que moi-même j'observais avant, et surtout plus de mémoriser vite. Master Blaster. Quinze ans chez les prêtres, nourri des levures de grec et d'histoire latine. Marchand de citations. Trafiquant de citations. Une vie ou deux au service de la grande royale, la compagnie. In your head, where rules it? A lager, where rules it? Dans 10 minutes. Il faut que ça réussisse. Mais le problème aussi, c'est que les invitations, l'affiche n'est pas encore sortie, alors qu'on est à 5 jours du spectacle. À 5 jours de l'affiche. Alors que normalement, ça devait sortir même 2 semaines avant. Par rapport à ma coiffure, tu voudrais qu'on ajoute quoi encore? En fait, tu vois, moi j'imaginais un truc avec des grosses tresses, même comme ça, tu vois, grosses tresses. Et après, on te remonte ici, on fait une espèce de queue de cheval, comme ça. Mais que maintenant, là, il y a des tresses de toutes les couleurs, des grosses tresses multicolores qui pendent. Tu vois? C'est ça, moi, que j'imaginais. Un peu comme des dreadlocks. Oui, sure. Tu vois? Et de toutes les couleurs. Livrez le corps de Prométhée aux ténèbres et du dehors. Que son corps soit vissé dans la pierre. Cloué, harponné, coincé, vissé. Vissé. Cloué. Vissé.
caisse. Oui, dit casse. Casse. Moi, c'est Cossi et Fouille dit Cosse. Oh, oui. L'avenue de Cossi, c'était ouvrir un espèce de bouillon de culture. Ouvrir un débat autour de l'écriture, qu'elle soit d'ailleurs romanesque ou dramaturgique, qui, là encore, ferait avancer les choses à Lubumbashi. La première impression a été de bon augure. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue, que ce que je voyais était de bon augure. Messieurs et dames, approchez. N'ayez pas peur du déambulatoire à poème. Choisissez un morceau dans le menu et mademoiselle vous le chuchote à l'épaule. Tu vois? Les lieux de la scène s'appellent le marché aux fétiches. Sans fin les guides. Et toute la rue vous verrez. Ce que j'ai écrit en didascalie par rapport au décor, par rapport au costume, par rapport au... ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va être traduit. Hein? Est-ce que vous sentez plus de liberté dans ça ou avec le tambour? C'est plus beau. Ça nous permet d'engager beaucoup d'énergie. Vous voyez, parce que le tambour, très facilement, se repose dessus. Ouais. C'est méchant, un tambour. Hein? Très vite, le corps se repose dessus. Alors que là, vos corps sont tout le temps. Le regard que tu avais tout à l'heure sur elle, c'est magnifique. Si tu avais un tambour à la main, ça perturbait ce regard. Il y avait juste ta main. Et puis, tu avais des choses qui arrivent par accident, comme ça. Si tu t'en souviens, il faut le faire. J'ai toujours pensé que tout ce que j'écris est transposable partout dans le monde. Nous sentons que la pièce se rapproche de notre vie. Enfin, au Congo, c'est que nous vivons par rapport à la violence, par rapport aux sentiments qu'on donne aux femmes, tout ce qu'on pense sur les femmes qui ne sont pas du tout vraies. Voilà. J'avoue quand même ma surprise quand des acteurs d'ici, c'est surtout les acteurs, m'ont dit qu'à un moment de leur travail, ils avaient commencé à se dire « mais il a écrit cette pièce pour nous », enfin pour en tenant compte de la situation ou des situations que nous avons vécues dans ce pays ou que nous avons traversées ou que des gens d'une région, en particulier à l'est du pays, ont traversé. Moi, je n'avais aucun de ces détails en tête. Donc, même si je pars de l'idée que c'est transposable, j'ai quand même une surprise. C'est au-delà de ce que j'imaginais. Ouais, voilà. Cossi et Fouille a posé une grande question sur la religion et sur l'athéisme. Je crois que ça intéresse également le public pour venir suivre les débats, entre guillemets, sur les réflexions de Cossi et Fouille sur le christianisme, la religion, la colonisation et la religion. Ce sont des grandes questions qui sont posées dans la pièce. Je crois que c'est vraiment intéressant pour notre pays particulièrement. C'est un projet qui ne doit pas se jouer en Europe. Moi, je ne crois pas à cela. En Europe, peut-être conscientiser les gens qui financent les guerres en Afrique. Les gens qui financent les guerres en Afrique. Mais pour ce qui est des Congolais, des Africains, il faudrait que cette pièce soit à même d'être tournée ici en Afrique pour que la population africaine, la population congolaise soit conscientisée et qu'elle prenne conscience des faits sociaux qui existent ici. Vous voyez, les guerres sont partout. Maintenant, on parle de la Côte d'Ivoire, on a parlé de la Libye. En RDC, n'en parlons même pas. Il y a eu plus de 4 millions de morts. Et les gens sont restés passifs. La communauté internationale, n'en parlons même pas. Il faudrait que nous-mêmes, peuple congolais, c'est le Congo, le Congolais qui délivrera ce Congo. Il faudrait que la révolution vienne des Congolais eux-mêmes pour dire on en a assez avec les dirigeants, on en a assez avec des faiseurs de troubles, on en a assez avec des gens qui nous amènent la guerre. Je pense que sur ce point-là, il faut qu'il y ait un message. Et le message d'Io est le bienvenu. Elle est bienvenue pour moi. Ça me va comme ça, Odette. Tu es un beau prêtre à nous. Oh. Un prêtre, oui. Ah. Très bien. Voilà. Jeanne, elle ne peut pas trembler avec la caméra, mais nous tremblons dans nos culottes maintenant.
Oui. Je fais des ambulatoires quand même. Je suis en train de placer des poèmes. Je fais des ambulatoires. Tu t'appelles du Ok. Elle dit, les pères tremblants. Chef, là. Tu livres ta fille, sinon la foudre sur ta fierté. Au pouvoir et vive force, agent de l'omnipotence de Zeus, appelé Kratos et Bia. Parti. Mes frères, fermons les yeux et prions. In secula, secula hom. Oui, je suis content. C'était bien. C'était bien. Jusqu'à bien mourir. C'était terrible. C'était terrible. On a travaillé durant au moins 2 mois. Pas pour faire des bêtises, pour faire un travail impeccable et apprécié presque par tout le monde. Disons par tout le monde. Et là, on est content, on est hyper content. Ça, c'est bien. On vous embrasse, vous qui êtes venus avec le projet, tout le monde en tout cas. Il faudrait qu'il y ait continuité pour ce projet. En tout cas, c'est super.